Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie concernant les séries entières. Donc, nous avons vu dans la vidéo précédente une introduction générale sur les séries entières et nous avons vu aussi deux manières pour pouvoir déterminer le rayon de convergence d'une série entière, plus un exemple. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on s'appelle la convergence et la divergence. D'une série entière. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire quand la série entière soit une série convergente et quand la série entière soit une série divergente. Très bien. Donc, la série entière, donc euh, voilà, comme, comme cela, donc une somme de n d'ordre de 0 à plus l'infini, à n, z puissance n, donc a n c'est un coefficient, z est une variable, et quoi Converge. converge, pour le module de z soit inférieur strictement à r. Donc Z c'est quoi? Z tout simplement c'est la variable Z, voilà, c'est ça, c'est Z. Et diverge pour le module de Z soit supérieur strictement à R. Très bien. Jusqu'à l'instant, tout est clair. R c'est quoi R c'est le rayon de convergence que nous avons déjà vu dans la vidéo précédente. Voilà un schéma explicatif. Pourquoi ce schéma-là? Pour faciliter la mémorisation de cette définition. Alors, voilà, donc nous avons un cercle. Donc, si on a la série entière se trouve à l'intérieur de cette cercle, donc, il une série qui est quoi Qui est convergente. Et juste ailleurs, ou bien à l'extérieur de cette cercle, nous avons des séries divergentes. Très bien. Donc, ça, c'est facile. Donc, ça, c'est la définition. Mais le problème qu'on a essayé, c'est cette variable, vous, moins 1 ou bien plus 1. C'est-à-dire, vous, la limite, ou bien, se trouve dans la frontière de cette cercle. Plus ou bien moins 1. Je vous ai dit, dans le chapitre concernant les séries numériques, qu'on ne peut rien faire. Donc, il faut qu'on cherche une autre méthode. Elle est anna la série ou convergente ou la divergente. Ça veut dire, il faut qu'on cherche d'utiliser un autre critère, par exemple le critère de Rayman le critère de Leibniz, pour pouvoir dire que cette série entière soit une série convergente ou divergente. Très bien. Donc, on va voir un exemple pour se faire mieux. Donc, on va voir un exemple après. Voilà. Donc. Euh... Notez bien, Z, donc euh, le module de Z, est inférieur à R. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a Z, tout simplement, il cette variable-là, elle est comprise entre moins R et R. Donc, par exemple, c'est le rayon de convergence égal à 1, c'est-à-dire qu'on a Z, il est comprise entre moins 1 et 1. Voilà, donc on va voir des cas particuliers. Voilà, nous avons en fait deux cas particuliers. Alors, c'est notre rayon de convergence égal à 0. Dans ce cas, la série converge, mais pour. Z égale à 0. très bien. Et déverge pour Z différent de 0. Donc Z c'est la variable r c'est le, le rayon de convergence. Le deuxième cas particulier c'est notre r, le rayon de convergence d'une série entière. Dans ce cas vaut plus l'infini. Alors, la série entière converge, mais en C, en l'ensemble C, le mouvement est assez. Très bien. On va voir un exemple. Donc exemple pas mieux. Donc euh, la question c'est déterminer le rayon de convergence de la série suivante somme de n de 0 à plus l'infini z puissance n. Voilà. Donc on va faire la même démarche que nous avons déjà vue dans le chapitre 1 concernant les, les séries numériques. Alors, je vous ai dit dans la vidéo précédente qu'on a deux critères à appliquer, soit le critère de d'Alembert ou bien le critère de Cauchy. Voilà. Euh, donc voilà la réponse pour la réponse le temps bien comme d'habitude on pose que a n donc a n c'est le coefficient vaut 1 notre terme général a n vaut 1 alors il a de la série a dit juste à côté il a de la variable qui est une, une. une fois z puissance n c'est z puissance n donc on pose que a n donc notre notre terme général vaut 1 très bien alors deuxième étape c'est d'appliquer le critère de Lambert très bien alors on applique le critère de Lambert il dit quoi? Il dit que la limite, euh, lorsque n tend vers 1 plus l'infini, de an plus 1 sur a n, voilà, donc c'est le critère, vaut 1. Pourquoi Entre parenthèses, donc 1 sur 1, c'est 1. Voilà, c'est clair. Alors, que notre rayon de convergence, c'est l'inverse. Donc 1 sur 1, combien égale Très bien, égal à 1. C'est clair. Et ben voilà, donc euh, notre série, euh, sigma de n d'ordre 0 à plus l'infini, z puissance n. Et quoi est diverge très bien pour le module du z égal à 1 très bien donc ici pourquoi cette série diverge pour z égal à 1 donc euh, cette série là est diverge pour le module du z égal à 1 ça c'est ce qu'on appelle le domaine de convergence et on va voir plusieurs exercices dans euh, la partie des exercices ce sera bientôt Inch'Allah. voilà donc voilà donc on va voir le deuxième exemple donc l'exemple 2 la question c'est déterminer le rayon de convergence de la série suivante une somme de n d'ordre 1 à plus l'infini z puissance n sur n ça c'est une série entière très bien alors pour la réponse comme d'habitude on pose que a n donc a n c'est le coefficient donc 1 sur n donc a n c'est le coefficient et puis on utilise le critère de D'Alembert. donc on applique le critère de D'Alembert. donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini a indice n plus 1 sur a indice n combien égale très bien la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1 sur 1 sur n. Très bien. Tout simplement, au lieu de n, si j'ai n plus 1, donc il faut que je remplace n par n plus 1. Donc 1 sur n plus 1. Divisé par a n qui est égal à 1 sur n. Très bien. a sur b tout divisé sur c sur d égale à a sur b fois d sur c. Très bien. Donc qui est égal à la limite lorsqu'on tend vers plus l'infini, n sur n plus 1. Donc c'est un calcul simple. Et bien voilà, donc lorsque n tend vers plus l'infini, ce terme-là égal à 1. Très bien. C'est-à-dire que notre rayon de convergence est égal à 1. Tout simplement, c'est l'inverse. Et ben voilà, donc euh, notre rayon de convergence est égal à 1. Donc, euh, on va faire une étude. Donc, c'est la variable z directement inférieure à 1, bien sûr, en module. De ce cas, la série est somme de, de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini z plus 1 sur n est très bien convergente. C'est. Cette Z-là, cette variable en module, dans ce cas, se perd directement à 1, donc notre série soit une série divergente. Très bien. Voilà, donc jusqu'à ici, tout est clair. Donc l'étape suivante, c'est d'étudier cette série-là pour le module de Z égale à 1. Je vous ai dit qu'on ne peut rien faire. Ça veut dire, on peut que nous une série entière, convergente ou divergente. si Z égale à 1 ou bien Z égale à moins 1, on peut une étude. Donc il faut qu'on fasse une étude pour pouvoir une série entière soit une série entière convergente ou bien une série entière divergente. Alors, voilà donc la réponse. Donc c'est z, donc la variable a a qui est 1. Dans cas, on a notre série, donc euh, z puissance n sur n, et je remplace z par 1, donc qui est égal à une somme n égal à 1 à plus l'infini 1 sur n. donc on a, fakat, on a a ouf, de la variable qui est au il faut un sur n malha, un sur n aussi c'est un terme général d'une série de l'aimine. Très bien, donc je suis venu comme le chapitre précédent, le chapitre qui a les séries numériques, je suis venu en détail. Donc, il y a le terme général malha qui déverge très bien. Pourquoi Parce que tout simplement, la puissance ici, donc alpha, si vous voulez, donc la puissance ici égale à 1. Au il faut un la puissance qui s'est élevée, ou bien c'est Output transcript: Ou 1, parce qu'on a un terme général de l'émine qui diverge. Très bien. Voilà, donc, euh, d'où, si vous voulez, donc la série est divergente. Pourquoi Parce que nous avons pour la variable z qui est 1, fait, nous avons le terme général d'une série de l'émine diverge. Alors, la série est là, on une série qui est divergente pour z égale à 1. Très bien. D'abord, maintenant, on va faire. La même étude pour z égale à moins 1. Très bien. Donc, pour z égale à moins 1, c'est de la même démarche. Alors, on a notre série, donc sigma n égale à 1 plus l'infini, z puissance 1 sur n. Et je vais remplacer z par moins 1. Très bien. Donc, il vaut une somme de n égale à 1 plus l'infini, entre parenthèses, s'il vous plaît. Donc, moins 1 puissance 1 sur n. Qu'est-ce que vous pensez pour cette série Voilà. Donc, je finis le chapitre, qui a les séries numériques. C'est une série alternée. Et elle n'a qu'à t'expliquer moins 1 puissance n fois un terme. Très bien. Or, la série, donc notre série, donc cette série-là, une somme de n égale à 1 à plus l'infini moins 1 puissance n divisé par n, c'est une série très bien qui est convergente. Pourquoi D'après le critère de Leibniz, si vous voulez, entre parenthèses, les séries alternées. Normalement, il y a une étude, même si on a une série directement une série convergente. Normalement, c'est-à-dire le, le les critères de Leibniz Très bien. Donc, là, c'est clair. Les trois conditions, on vérifie Et ben voilà, donc là, c'est notre exemple. Alors, dans le cours, la partie Tiennet cours, c'est clair, comme vous voyez. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à les poser dans la partie du commentaire. Inshallah, on va voir. Il nous reste quatre trois parties concernant le cours et on va faire un résumé. Et puis... On va faire plusieurs cas d'exercice si vous voulez. Merci pour votre attention et votre temps. Des questions, posez-les en commentaire. À très bientôt.